L'ancienne ville d'Annaba, connue sous le nom de Place d'Armes, est considérée comme une page de l'histoire ancienne de Pune qui est un microcosme de la Casbah d'Alger et lui ressemble presque par la qualité de l'architecture et le motif des bâtiments entrelacés et des ruelles étroites et avec ses mosquées, ses bains, ses marchés populaires. Il se trouve sur le trône du patrimoine traditionnel et de l'art architectural de la wilaya, de manière à attirer les visiteurs, les touristes et les écrivains. On sut s'imposer et attirer l'intérêt de nombreux citoyens depuis longtemps, et cela est dû à leur forme urbaine attrayante frappante dans la profondeur de l'histoire. La volonté de la responsable de s'appuyer sur le côté traditionnel, la région porte la profondeur culturelle de la région et comprend parmi ses replis beaucoup du monde archéologique, des mosquées. Les mausolées, les coins, les châteaux et même les maisons antiques est la première chose qui attire l'attention. C'est l'architecture qui a donné à la Buna son charme glamour, qui le distingue par son âge chronologique qui dépasse 2000 ans. Le palais de Darmes est venu sur les ruines de la ville de Ibun, après l'inondation qui a balayé la vallée adjacente à l'église de la Buna, où les premiers habitants d'Annaba ont fui de plus d'armes pour être appelée la nouvelle ville. Et après l'occupation, le colonialisme en a fait un lieu de collecte d'armes appelé plus d'arèmes.